Malin Stark. Where were we? Oh. You were trying to tell me where you were born. That's right. Well. Frankie? Hmm? Thank you. Excuse me, Miss McKay. Miss McKay? Yes? Oh, I have one for you, too. Oh. Thank you. You're welcome. Excuse me, Mr. Ferranti. From him? From her. Well, where were we? Well, I was about to tell you where I was born. And, I was born in Boston. Oh, I can hardly wait for you to grow up. Well, be patient. I grew up quickly. Then I went to New York, and I got a job singing in a nightclub from 10 to 3 in the morning. And the manager used to chase me around the office until about 4, and then I went home. Did he ever, Oh, no. No, no. Well, then one evening, he came along. This is the fellow. Mm-hmm. And he said, well, you don't belong in a place like this. Really? Mm-hmm. And I said, I don't. And, well, then, What? What? I don't know, I thought you said something. No, I didn't say anything. I'm sorry. But you're right, you know. He said I belonged in a penthouse on Park Avenue with a breathtaking view of the East River. An ideal place for you to improve yourself. Yes, so I studied hard. Singing? And music and art and literature. So that one day you'd make a perfectly charming wife. Yes, that was the general idea. Anything wrong with that? No, no, there's nothing wrong with it. No, that's what I thought. Well, that sort of brings us up to date. Now my life is an open book. Now, that's only one page. Now, that's the only page. Malheureux celui qui n'a pas au moins une fois, pour un amour ou pour une amitié, pour une charité, pour une solidarité, remis tout en cause, éprouvé les mêmes fondements, analysé lui-même les actes les plus simples. On est tombé amoureux de Deborah Kerr au premier regard, un premier regard qui était un premier temps, de cinéma, enfant, la neige tombait à gros flocons sur le générique nocturne, aux arbres décharnés de l'hiver, générique dont le technicolor Deluxe semblait, de ce fait et d'entrée, atténué, décoloré, effacé par une autre clarté, par cette blancheur de la neige dans la nuit, par la lueur lunaire des flocons de Noël qui, sans que nous le sachions alors, devançait déjà la dernière saison du récit. Un crooner anonyme, égrené d'une voix de basse de dancing, des syllabes aux notes onctueuses grâce auxquelles nous comprenions qu'il allait être question de love and eternity, d'amour et d'éternité de l'amour. La chanson était très belle, mélodieuse et triste. Cela aurait pu être le début d'un film de Vincente Minnelli, du Chant du Missouri, mais c'était un film signé Léo McCarey, elle et lui. La différence entre la neige et la pluie, c'est que la neige tombe sans faire de bruit. Pourquoi tombe-t-on amoureux de Deborah Kerr? Et instantanément, et définitivement. Et quel est ce sentiment amoureux? Ou à quelle fibre du corps prend-il sa source? En décelant ce qui, chez Deborah Kerr, inspire l'amour, c'est-à-dire en distinguant ce qui, chez cette femme douce, désarme absolument, même le célibataire le plus endurci, même le coureur de jupons blasé, ou le spectateur le plus sceptique, et qui fait qu'on s'en éprend tout de suite, at first sight, sans même avoir eu le temps de faire sa connaissance. Sans doute trouve-t-on la réponse à la première interrogation. Pourquoi tombe-t-on amoureux de Deborah Kerr? C'est qu'on ne peut pas ne pas en tomber amoureux. Car refuser de l'aimer, tout bêtement, serait refuser l'amour même. Et refuser de tout remettre en cause, au moins une fois, dans sa vie. Malheureux celui qui n'a pas au moins une fois, pour un amour ou pour une amitié, pour une charité, pour une solidarité, remis tout en cause, éprouvé les mêmes fondements, analysé lui-même les actes les plus simples. La phrase de Charles Péguy est une pensée qu'aurait pu faire sienne, chacun distinctement, le cinéma de McCarey ou celui de Minnelli, comme a fortiori Deborah Kerr, l'actrice idéale en cela, en cette suprême remise en cause chez l'un et l'autre. Elle seule d'ailleurs fut comédienne commune à l'un et l'autre, à l'exception d'Ingrid Bergman, mais en des âges très éloignés de la vie, des cloches de Sainte-Marie à Nina,
et à l'exception, chez les comédiens, curieusement, de Charles Boyer, ce grand comédien de la distinction française poussée jusqu'à la veulerie déconfite et de la noblesse un peu raide, poseuse jusqu'à la superficialité que vient déjouer la vérité tranchante d'un sentiment improviste. Et cet acteur français, employé par deux cinéastes francophiles, du Villefranche paradisiaque d'elle et lui, au Paris de Gigi ou d'un Américain à Paris. Les deux plus beaux films de Deborah Kerr sont si beaux qu'ils suffiraient, qu'ils lui auraient suffi, qu'ils nous suffisent. Elle et lui, Télésympathie. Je crois que le rôle qui m'est le plus proche est celui de Laura Reynolds dans Télésympathie. Bien entendu, l'auteur de la pièce, Bob Anderson, ne le savait pas, mais il créa Laura Reynolds et il se trouve que Laura Reynolds, c'était moi. C'était l'entremêlement d'un rôle et d'une actrice, la même attitude dans l'existence, une certaine timidité face à la vie, une compassion profonde pour les êtres que l'on persécute sans raison, confiait Deborah Kerr en 1978. Une attitude, une timidité, une compassion, une élégance, une réticence, une charité, une bonté. Minelli et McCarey ne s'y sont pas trompés. Ce n'est que la bonté qui peut envisager la nécessité impérieuse de remettre en cause non pas du tout celle des autres, mais sa propre existence. Télésympathie, elle et lui. Chez Léo McCarey, la charité du monde ne se révèle que dans les conditions in extremis du miracle, par la seule force et la constance d'une ferveur individuelle, idéal qui advient dans l'union d'abord empêchée, fauchée en pleine course, difficile puis sublime des contraires, dans une solidarité et une unisson contrariées. McCarey, chez qui la mise en scène n'est que de s'évertuer à tromper les ruses du diable, le diable qui sépare et qui éparpille, le diable qui désunit et qui découple ce que la mise en scène tâchera à toute force de rapprocher, de réunir fatalement, quitte à montrer la collure ou la jointure de la séparation diabolique dans le seul et même plan, cette cloison fine, cette rumeur des bonnes gens, cette ligne mince ou cette vitre trop transparente qui sépare les amants. Pour McCarey, Deborah Kerr, dans Elle et lui, aura été un good Sam au féminin. Chez Vincente Minnelli, la morale se résume à la lutte sans répit entre the bad and the beautiful. Non pas le bien contre le mal, donc, mais, en cette aspiration effrénée de l'esthète, le beau contre le méchant, la beauté contre la malignité. La mise en scène minnellienne qui joue la fluidité du temps, où tout à l'intérieur de la toile communique et où les amants communient, où la communauté s'épanouit, contre le cloisonnement des espaces qui isole, le morcellement qui désordonne, qui rend les hommes fous et le monde au chaos. Chaos dont seule la beauté fluide de l'art et la compassion de l'amour vrai peuvent extirper les hommes, rendre le monde à sa sérénité d'origine. Pour Minnelli, Deborah Kerr, dans Télésympathie, aura été la Madame Arnoux de son éducation sentimentale. Raymond, I cannot be casual. I've never been less casual in my life. Then why am I still so frightened? I don't know. I'm often frightened when I want something very badly. And I want you. I've never wanted any woman the way I want you. La bonté, McCarey. La beauté, Minnelli. Donc, cette comédienne commune, Deborah Kerr. Deborah Kerr où la bonté sans mélange. Sans mélange, c'est-à-dire naturelle, sans minauderie, car elle est droite, sans pleurnicherie, car elle est fière, sans condescendance, car elle n'est pas trop fière, sans vanité narcissique, car elle est capable de dons absolus et de véritable amour. Elle est trop passionnée pour être terne, trop vivante et mutine et discrètement fiévreuse pour être sainte ou martyre, et trop humaine, trop impulsive pour être divine. L'idéal féminin que Deborah Kerr incarne à nul autre pareil, qu'elle incarne aussi dans Colonel Blimp, par exemple, à travers trois différents personnages qui cristallisent l'histoire du colonel dans une image d'éternité amoureuse, réconciliée et mélancolique, n'a rien du rêve hollywoodien de la déesse sculptée de lumière et distante. Le visage si beau, au dessin si incroyablement net de Deborah Kerr, n'a pas cette beauté lointaine et comme auréolée par avance, picturale et un peu figée, ni cette splendeur absente ou opaque, les amoureuses presque éthérées, presque inhumaines. Tout au contraire, ce qui est extraordinaire chez elle, c'est sa malicieuse vivacité, c'est sa présence, c'est l'intensité simple, limpide de la figure, cette façon de baisser les yeux, et pour mieux dire les paupières, la proximité étonnante et scintillante du regard gris-vert qu'elle relève.
Par exemple, on n'a jamais vu comme elle un acteur, une actrice regarder et écouter son partenaire avec autant de liberté attentionnée, le dévisageant si bellement qu'elle seule a su rendre à cet acte de dévisager sa force adorable et sa puissance sensuelle, comme une caresse, la caresse du regard de Deborah Kerr, avec cette qualité suspendue, silencieuse et disponible, et recueillie, de l'écoute. Et cela explique sans doute à quel point les cinéastes ont su et aimé la filmer de profil, cette posture au cinéma privilégiée de l'écoute. Ce regard, cette écoute, et aussi cette manière alors qu'elle a, écoutant, regardant, de souvent ponctuer l'échange par un « oh », en donnant toutes les inflexions de sentiments possibles à cette simple onomatopée. Tout ceci suggère une présence sur la réserve et tout à la fois très vive. Mais alors, comment fait-elle, faisant ce qu'elle fait, jouant ce qu'elle joue, pour n'offrir jamais le moindre soupçon dans son jeu d'une ombre lénifiante, complaisante ou pathétique? Elle dit à Mitchum dans « Ailleurs l'herbe plus verte » au début « I'm not a romantic, I'm a realist ». Or, Deborah Kerr est incapable de mensonge, de dissimulation, comme elle est incapable, absolument incapable, et en cela elle est encore unique, de perversité. Elle dit donc vrai. Nothing is. Will I ever be happy again, as I was at the beginning of that wonderful summer on the Riviera? Just a year ago. Le grand romantisme chez elle est le fruit d'un excès de réalisme, aussi étrange que cela puisse paraître. Deborah Kerr ne rêve pas, elle ne s'égare jamais en folle rêverie sentimentale, jamais. Aussi l'amour qui advient est-il pour elle, dans son bouleversement radical, d'une puissance absolument concrète, la seule chose soudain qui soit réelle, vraie et infiniment sérieuse, et qu'il lui faut donc envisager du point de vue le plus réaliste possible. C'est la seule raison compréhensible à cette décision de séparation, 6 mois, 6 longs mois, de Thierry Maquet et Nicky Ferrante dans Elle et lui, rendre cet amour entre eux possible à vivre matériellement, puis ensuite à son refus catégorique que Nicky puisse être infirmée de ce qu'elle a subi tant qu'elle ne sera pas remise sur pied, comme c'est la seule raison à sa disparition de son foyer et de la vie du jeune Tom Lee dans Thé et Sympathie, l'amour pour son mari étant devenu, dans l'étreinte d'une après-midi, raisonnablement impossible. Dites, comment ne pas l'aimer, cette femme, ne pas l'aimer tout de suite et pour l'éternité? Deborah Kerr, ou la bonté même, et cette inquiétude muette que la bonté porte en soi. Mais quelle inquiétude! Non vraiment l'inquiétude que le monde lui réserve la surprise d'une faillite. La bonté est tout à la fois trop lucide, la lucidité de la bonté en fait toute la beauté sans doute, pour ne pas savoir que le monde n'est pas un paradis, que le monde n'est pas bon, et trop innocente pour songer sérieusement à cela. L'innocence de la bonté en fait toute la part de paradis, de monde perché ou isolé auprès duquel le reste alentour, même un moment seulement, n'existe pas. Ce n'est donc pas l'inquiétude de la chute. Alors, quelle inquiétude? L'inquiétude que cela se voit. La bonté est inquiète à l'idée qu'on ne lui dise quelle est la bonté même. C'est qu'elle sait que la bonté n'est pas crédible. Et c'est ainsi que son inquiétude serait de passer pour une sorte de monstre en définitive, de monstre d'humanité, car la bonté, désignée ou décelée, devient un peu monstrueuse dans sa trop grande solitude. Or, la personne bonne, si elle n'est pas religieuse, veut vivre parmi les siens, en ce bas monde, ni Mater Dolorosa, ni sainte. Elle veut juste, c'est là sa beauté sublime et définitive, son aspiration solitaire et sa vocation solaire, être comme tout le monde. Être, pour ainsi dire, commune. Cette solidarité-là, c'est-à-dire cette communauté-là, n'est-elle pas seule susceptible de remettre tout en cause? Good Sam, Deborah Kerr, Deborah Kerrs. Rien de ce qui est humain ne me répugne, excepté la violence et la cruauté, murmure-t-elle dans ce film aussi pesant qu'un film de Houston peut l'être, que son apparition et sa présence calme, que son classicisme, viennent sauver du grimaçant et du graveleux. Et ce film, La nuit de l'iguane, à l'instar du personnage de Richard Burton, est sauvé par elle seule, par la femme et par la comédienne, qui s'insinue avec cette absence parfaite d'ostentation, cette réticence à afficher le tourment, toute psychologie et toute folie, fémininement infléchissant le rythme hystérique et grossier du film vers son jeu en bémol, un ton au-dessous, presque en sourdine, à sa cadence et avec une évidence d'inspiration, de respiration, qui donne à sa confidence le souffle d'analyser au milieu des éléments déchaînés et des figures trop grotesques, lesquelles cesseront soudain de gesticuler, gargouilles ridicules prenant enfin conscience face à elle qu'une sensibilité extrême n'a que faire des contorsions, pathétiques et blêmes, de l'acteur studio. Maternelle, elle l'est, bien sûr. Le partenaire par excellence auquel on songe pour Deborah Kerr, hormis Cary Grant, est un enfant.
aussi combien il est étrange que, gouvernante, animatrice de patronage, nonne ou célibataire, ou femme au foyer trop désœuvrée pour ne pas se languir, désespérée de se trouver quelque utilité, elle n'ait jamais été un personnage de mère à proprement parler. Même dans Ailleurs l'herbe est plus verte, les deux enfants sont congédiés dès le premier plan. Ce sont toujours les enfants des autres qui l'occupent, orphelins ou garçons esselés confiés à sa garde, à l'heure du thé et de sa sympathie. Elle est, au fond, une figure parfaite à la fois de mère orpheline et de femme émancipée, à la fois désuète et contemporaine, modèle et moderne, amoureuse et indépendante. Son innocence est une innocence adulte. Elle appartient à un cinéma où n'existait d'alternative qu'entre l'enfance et l'âge adulte, où l'adolescence n'existait presque pas, en tout cas pas comme cible encore, comme tranche d'âge et comme public, un cinéma d'avant les années 60. Deborah Kerr a une ingénuité et une fantaisie de femme adulte. Deborah Kerr a toujours été et sera toujours la femme de 35-40 ans. Aujourd'hui qu'il est de bon ton de trouver à tout comédien une part attendrie d'enfance, Deborah Kerr est l'exemple même d'une beauté adulte, une adulte souriante, une adulte ingénue, une adulte espiègle ou éblouie, oui, mais enfin une adulte. Et c'est ce qu'il y a chez Deborah Kerr de beauté adulte, comme dans le couple idéal qu'elle a formé avec Cary Grant, de possibilité d'innocence renouvelée, d'amour sans vains enfantillages, affermi et adouci à la fois par la faculté neuve de se souvenir, d'évocation, de remémoration, de bonheur et de larmes, qui se confond avec la jeunesse même et éternelle du cinéma. Years from now, when you talk about this and you will, be kind. Years from now, an affair to remember. Comment ne pas être amoureux de Deborah Kerr, toujours? Comment ne pas remettre alors tout en cause, encore, ne pas éprouver les mêmes fondements, ne pas analyser soi-même les actes les plus simples. Donc, comment ne pas être bon, good or kind ?